Allez, du coup, next, prochaine destination, ça c'est fait, ça c'est génial, ouais, hop, super cool. Ah, ça nous oriente déjà vers l'autre. Ah non, on devait faire celle-là et on a découvert celle-là sur le putain, mais j'en perds mon lexique. Allez, go, on est parti, C'est on bien, va libérer c'est bien. un autre patelin. Ah merde, attendez, c'est où la sortie? J'ai oublié. Allez, on va aller par là-bas. J'ai bien envie de faire un tour là pour voir vite fait justement les dialogues. Monseigneur, vous comptez rejoindre les autres? Comment ça? On raconte qu'un petit groupe de résistants se rassemble dans la préfecture d'Azamo. Il y a donc d'autres personnes qui résistent aux Mongols? C'est courageux, mais dangereux s'ils ne sont pas entraînés. J'irai à leur rencontre. Ok, cool. Un petit tour en vitesse. Non, d'accord. Ce que j'aimerais, c'est que je puisse voir distinctement les ressources à ramasser. C'est ça qui me stresse. J'aimerais pas passer à côté. Voilà, ben là, allez, hop. Passer à côté du métal. Ben voilà, du fer. C'était vraiment le truc que je voulais pas louper. Ah, j'adore. Oh là 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 là. Regroupez-moi tout ici, s'il vous plaît. On l'a refait. Là, ouais, ça c'est celle que j'ai fait en premier. Ok, on fait la grande maison pour voir une dernière fois et... Ils n'oseront pas tuer le seigneur Shimura. Comment tu peux le savoir? D'accord. C'est l'homme le plus puissant de Tsushima. Ils peuvent l'utiliser pour négocier. Et si jamais ils refusent de le rejoindre... Oui, ça on le sait déjà. Ah, on a un marchand. Je vais vous montrer mes produits. Éléments cosmétiques dark, ouf, quoi que, hein. Bon, on s'en fout un peu, teinture d'armure. Apportez-moi plus et le compte sera bon. Est-ce que ça a vraiment une importance, ces conneries? À une prochaine fois. Bof, attendez, quoi que. Quitter de sabre. Ah, je peux faire ça, d'accord. Mais voilà. J'avoue qu'il me plaît bien celui-là avec ça a un côté plus ancestral avec le bandeau, le putain, le bandeau, le ça là, le chiffon. Allez, le dragon des mers, parce qu'on est vraiment pas content et on en profitera une autre fois pour améliorer le les katanas. Allez, go. Sankarna, ah, c'est vraiment pas loin, c'est juste là-bas, là, on le voit. Oula, ah oui. Je comprends pas, c'est les Chinois non qui ont. C'est les Japonais. Non, les Chinois. Je sais même plus, putain. Les Chinois ou les Japonais qui ont découvert la poudre noire. C'est les Chinois. Par contre, j'avoue que j'aime beaucoup les chants mongols avec le fond de la voix. Ça très très entraînant.
D'accord, il y a vraiment eu un combat. C'est. Ils ont essayé de résister jusqu'au bout. Soit on tient la voie du samouraï et on fait une confrontation et au moins on en tue un d'entre eux. Ce qui n'est clairement pas rentable, sachant qu'en étant discret, on peut en tuer plusieurs. Ce qui serait beaucoup plus intelligent. Là, 1, 2, 3, 4. Allez, je vais faire lui là-bas. Allez hop. Ah merde, il m'a vu. Mon dieu, j'ai pas vu ça. Fallait me le dire que t'étais le poids lourd. Voilà. Quand on me cherche, on me trouve, moi. Mais me cherchez pas trop quand même, s'il vous plaît. J'aime bien faire le beau de temps en temps, mais pas trop. Là, on a les deux, là. C'est quoi qu'on a, là? Pauvre malheureuse. Non, mais attends, attends! C'est pas fini! Acier! Oh lolo, on a trouvé un truc de fou! C'est connerie. Voilà. Parce que moi j'aime bien quand les carottes sont cuites. On a une trappe. Il n'y en a rien d'autre. Ok. C'est un petit endroit, ça va. C'est pas, ça a pas l'air très compliqué. Du coup, j'ai que deux. Bon, allez. Venez vous battre. Oh là là, et allez, bon ben on se casse, on va se refaire, on va se cacher un petit coup. Ah et ouais. Faudrait que je trouve un moyen pour augmenter les. Je rêve. Ah merde, je pensais que je pouvais faire. Vous me cherchez? Ah merde, putain, j'ai des regrets. Pourquoi je fais des conneries comme ça? Oh là là! Le chef. Allez hop. Je vais pas mourir ici quand même. Ok, lui c'est fait, je remonte ma vie direct. Mon dieu. Ok, on en a 5 du coup. Votre légende grandit. C'est quoi le nouveau titre? L'espoir du peuple. Héhéhé. Ah, et la santé qui augmente, c'est comme ça, d'accord, qu'on monte les... Et là, je choisis... Non, je peux choisir entre... une de ces choses. Bombe collante. Carillon. D'accord, ça c'est pour les attirer quelque part. Et bombe fumigène. Et bombe à poudre noire. Ça m'intéresse déjà plus, ça. En remplissant un pot en terre de poudre noire mongole et en y mettant le feu, j'obtiendrai une arme à lancer. Bon sang, mais quelle ingéniosité, mais tiens, grand malade.
Évitez la défaite lorsque vous êtes blessé. Ah! Ça peut me pla ça me plaît. Ça m'est égal, mais ça me plaît. Bon, on garde et vraiment quand les choses deviennent une nécessité, on fait changement d'arme de ma projection maintenant et je fais bon, d'accord. Si je fais ça, là je passe à l'arc, là ça. Ok. Bon, c'est génial. Donc on a plus de trésors quoi. Plus de morceaux de fer, rien. C'est ça qui me stresse en fait, c'est que les trucs sont vraiment posés n'importe comment, n'importe où, on peut pas vraiment les trouver. Bon, ok. Ok, on va faire ça aussi. Hop. On va de découverte en découverte, nous. Ah, un camp. Ok, là-bas on aura un Monseigneur, dialogue. auriez-vous quelque chose à nous offrir? Désolé, ce n'est pas suffisant. Ah merde. Ah, ça c'est pour améliorer, d'accord. Là, on peut aussi améliorer les flèches. Ah, capacité, pardon. Là, c'est la même chose, d'accord, ok. Projection est consommable. Inventaire du vendeur. Ah, une seule, ça vaut 5, d'accord. Ce nombre de flèches. Je suis plein. C'est un excellent choix. Vendre, qu'est-ce que je peux lui vendre? Ben Au rien, nous revoir. on galère déjà, on va tout garder, va. J'ai hâte d'avoir vent de toutes vos victoires à venir. Vous aussi, vous cherchez à apprendre la frappe céleste de Shigenori? Cette technique n'est qu'un mythe. À en croire le musicien Yamato, elle est bien réelle. Je ne suis pas surpris. On parle souvent de ces histoires avec enthousiasme. Il m'a raconté celle-ci près de la forge de Komatsu. Si cette technique est aussi puissante que l'histoire le prétend, j'espère que vous n'y serez jamais confronté au combat. Mon Dieu, c'est la technique que je voulais apprendre. Où est-ce qu'il est? Oh putain, parce que... Attendez, regardez, parce que c'est une technique de fou. Récit mythique, yes! On pourra la suivre. La frappe céleste, regardez. Attendez. Frappe céleste. Ouh loulou! Plus rond. Ah, ça en consomme. Ça va, ça consomme un seul. Hop. Ok. Là, triangle. Triangle et. Oh, ok, ça consomme un seul. Ouais, celle-là et pas et celle-là. Et celle-là, celle du feu. La classe. Ok. D'accord, bon, ben voilà, prochaine étape. Mince. Prochaine étape, le récit mythique de la frappe céleste. Allez, hop. Ok, j'ai parlé avec elle, du coup, on va voir Pourquoi le... vous Non, sombre, je crois dit-il? que lui...
Oh putain, 1,3 km. C'est où? Ah, c'est là. Mais j'ai envie de vous dire, on va faire ça. Tu es un bon cheval, ça. Il y en avait deux autres. Bon, tant pis. Ça faisait pas partie des projets, mais au moins j'ai pu en avoir un. C'est sympa. Il va me faire chier. Ok, c'est quoi? Réflexion sur le refuge. Ah. Au calme, esprit calme. Un signe noir. Plongé dans l'ombre du temps. Une croissance abritant tout. La nuit recule face au jour. Bon, on va se plonger dans l'ombre du temps. Ok, on en a un là. Solide. Nous quoi? Nous tenons. Sans jamais ployer. Ensemble. Levons tout. Levons-nous. Je comprends rien. Au calme, esprit calme. Plonger dans l'ombre du temps. Ensemble, levons-nous. Ah, on va créer nous-mêmes un poème, on va dire. Bandeau de refuge. D'accord. On va voir le style du bandeau, du coup. Ah, j'ai baisé, hop, allez hop, il est beaucoup plus joli. Ça, je peux l'améliorer, je n'en ferai rien. J'attendrai d'avoir autre chose. Ok, next. Qu'est-ce que c'est ça, le temple d'or? Ok, on va voir le temple d'or vu qu'il est juste à côté. Par là-bas. Allez! Quoi, ça, on a des mongols quelque part là. On a un cadavre. Ok, on a les ressources, on va les prendre. Ok, on va aller voir le cadavre. D'accord, on peut rien faire. Je pensais qu'on pouvait examiner et se lancer sur une dans une traque, mais non. Bon, mais tant pis. Ah, hé, hé. Oh merde, putain, il m'a vu de loin.
Attends. Voilà. Ah merde. Purée. Le truc qui a servi à rien. Plus vite. Sur l'île, on a toutes les saisons en fait. Hein. À la fois. Ok, on va rejoindre le temple d'or, ce qui conclura peut-être l'épisode. On va voir juste ce qu'on aura à y faire. Ok. Seigneur Sakai, faire un cadeau. Ouais. Je suis heureux de vous voir. Gonjiro, c'est bien ça? Vous étiez au service du seigneur Nagao. C'était un homme bon. Je suis navré qu'il nous ait quittés. Je suis flatté que vous vous souveniez d'un humble serviteur. Un bon nombre d'entre nous ici vous doivent la vie. La bataille pour Tsushima ne fait... C'est pourquoi nous voulons vous aider, monseigneur. Chacun a donné ce qu'il pouvait et... Je vous en prie, veuillez accepter ceci. Je vous remercie, Gonjiro. Vous et tous ceux qui ont participé. Nous continuerons à donner ce que nous pouvons, ici et ailleurs, au gré de vos victoires. Puissent tous les Kami vous protéger. Ah, guerrier maléfique. Faveur disponible. Hop. Après, je suis pas vraiment du genre à vouloir masquer le visage du personnage. Pour un fier samouraï de Tsushima. Artefact. Je comprends pas, c'est quoi que j'ai eu. Carte mise à jour, 2 faveurs disponibles maintenant. Ah! Ah d'accord, 2 phases, d'accord. C'est dans le village, j'ai Tu es au courant. Je ne veux pas mourir. Ce n'est pas mort, Komoda. Yeah. Merde. Comment? Il n'y a jamais été. Elle se fait agresser. Pardonnez-moi, monseigneur, mais vous semblez éreinté. Ces derniers jours ont-ils été éprouvants? Vous ne me croiriez pas si je vous racontais. Mais oui, j'aurais bien besoin de repos. Vous devriez rendre visite à ma sœur à Iyoshi. Lorsque je suis tombée malade, elle m'a conseillé de me baigner dans les sources chaudes. J'ai eu l'impression de revivre. Exactement ce qu'il me faut. D'accord, Kenji. Un mec m'a parlé. Ah, c'est celui qu'on a sauvé. Je suis venu directement, en évitant les routes. Comme vous l'aviez dit, Seigneur Sakai. Je suis content que vous soyez sain et sauf. Comment va le petit? Il est plus courageux que son père. Les gens ne m'ont pas cru quand je leur ai dit qu'un samouraï nous avait envoyé ici. Prenez soin de vous et de votre fils. Les gens ici n'ont pas grand-chose à offrir. Et nous allons tout faire pour les aider. Je ne les laisserai pas. Tu vois, je te l'avais dit, il y a toujours de l'espoir. D'accord, là-bas on a une faveur du coup. Oh là là. Laissez-moi partir. Mais... Putain, bon, allez hop, je m'en fous d'elle. Puis-je examiner votre arc, monseigneur? Une faveur. J'appelle pas ça une faveur, c'est moi qui dois le faire. Non. Je vous laisse. Une faveur, mon cul, ou? D'habitude, tu as une prochaine fois, monseigneur. Et je vais trouver celui qui améliore les katanas. Je préfère gaspiller des ressources là, des bento pour améliorer le katana parce que. Il en avait l'air en tout cas. Parce que je sais que je l'utilise souvent. Permettez-moi de renforcer votre armure, monseigneur. Ah. Laissez-moi réparer votre armure et Hachiman lui-même en sera jaloux. Même une armure brisée à peine sortie du combat? Oui, elle est en très mauvais état. Apportez-moi quelque chose en meilleur état et je vous montrerai l'étendue de mes talents.
Putain, j'ai pas envie. Juste pour gagner 20% de brouillard de guerre levé sur la carte. Sert à quoi, franchement? 30. Bon, ça va, j'appelle pas ça des faveurs, vous me Nous faites prions pour payer. vous, monseigneur. Foutez de ma gueule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Armurière, forgeron et art. Le forgeron, il faut que je le trouve, ce petit saligo. Ah, ben. Hey. Lui, oui, lui, je vais vraiment améliorer le lames katana. Ont besoin d'entretien. Faites-moi si. Le katana du clan Sakai. Quelle arme magnifique. Vous l'avez tout de suite reconnu? À mes yeux, chaque lame est unique. Aussi reconnaissable qu'une personne. Seigneur Sakai, apportez-moi les matériaux nécessaires et ce sera un honneur d'améliorer un travail aussi exquis. Ça c'est pour assassiner plus vite et plus discrètement. Et ça c'est pour tuer plus fort. Votre lame est prête. Je me demande s'il y a des changements dessus. Ah si. Les motifs sur la lame change. Ok, donc je vais voir ça. On peut se voir dedans. Pardonnez-moi, vous n'avez pas ce qu'il nous faut pour effectuer le travail. Eh oui. Je croyais qu'on me faisait des faveurs ici. Ok. Du coup, est-ce que je peux encore améliorer un truc? L'armurière. Restez tranchant et robuste. Ah, on a du dialogue, putain, c'est vrai qu'il faut pas. Faut que je reste attentif. Bonjour, monseigneur. J'étais en train de repenser aux paroles de mon ancien maître Saigyo. Qui veut purifier son esprit doit d'abord purifier son corps. Saigyo était un homme sage. Qui sur la fin a passé trop de temps à chanter dans les sources chaudes. Mais reconnaissez qu'il disait vrai. Des eaux revigorantes, une vapeur purifiante, l'ombre d'un érable rouge. Rien de tel qu'un bain dans une source chaude pour fortifier l'esprit avant un combat. Vous avez sûrement raison. C'est tout ce dont j'ai besoin. Purée, comment il me l'a décrit, j'ai envie d'y aller, quoi. Ok, ok, ok. Donc on fait un tour en vitesse, en sprint, pour voir si quelqu'un a quelque chose à nous apprendre, du coup. Je vais quitter. Puis-je améliorer votre arc? Bon, mais je pense que c'est bon, on a fait le tour. Hein. On n'a plus grand-chose. Qu'on a là, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on a toujours ce petit truc là comme ça? Bon, ben on s'arrête là, du coup, petite pause pipi caca et on reprend tout à l'heure.